que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Moumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections, comme les demandent nos pères spirituels. Et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Nanga, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les résultats. Merci. On va donner aux dames, madame. Winnie Malak du magazine. Question à Lingala. Alors, c'est la dernière question qui était à Lingala. Oui. Mais je reviendrai, je vais résumer tout à Lingala. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire, que ça en soit dit? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? S'il vous plaît, madame, allez-y. Winnie Malak du magazine Actu 30. Je voudrais un peu revenir sur la question de ma consoeur, sur la coalition Lamuka, pardon. Juste une précision. Est-ce que, en tant que coordonnateur de, actuel coordonnateur de la coalition de Lamuka, qu'est-ce que vous avez fait concrètement en termes de dialogue avec ceux-là qui ont rejoint l'Union Sacrée pour savoir un peu leur avis par rapport à leur adhésion à l'Union Sacrée? Madame, vous voulez vraiment que j'aille dans le détail? Ce que j'ai donné, ça ne suffit pas. Ce que j'ai fait, c'est écrit. Je vous ai dit de vous rappeler, de vous référer à la lettre, okay, au communiqué que j'ai signé de Lamuka. Le communiqué est très clair. J'ai convoqué des réunions. J'ai discuté avec des gens. Si vous voulez, je peux vous donner les dernières dates. Okay. Les 25 octobre, le 27 octobre, le 29 octobre. J'ai perdu mon téléphone en action. Je n'ai jamais vu personne. J'ai convoqué des réunions, ils ne se sont jamais présentés. Vous avez les restes dans les communiqués. Je n'ai pas fini. Oui, je vais finir un instant. Je n'ai pas fini. Ma deuxième question était celle de savoir. Tout à l'heure, vous venez de balancer le son de le président de l'Assemblée nationale, Osson Kodia, qui parle de la corruption des députés nationaux. En tant que leader politique, baissez le téléphone, s'il vous plaît. Quittez ce téléphone. C'est pour cela que j'ai balancé. J'ai balancé pour que vous, journalistes, vous puissiez interpeller le procureur général de la République. Mais la corruption à ciel ouvert, on parle de la corruption. Monsieur Tshisekedi a dit qu'il va faire la lutte contre la corruption. Et toute la communauté internationale, ah oui, lutte contre la corruption. On a mis Kabila en prison. On ne sait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. On a vu, mais ce que nous savons, tous ceux qui sont entrés en prison avec lui sont dehors. C'est la corruption. Mais le peuple doit. Mais ça ne peut pas révolter le peuple, ça. Est-ce que ça ne peut pas révolter ce peuple-là qui ne mange pas? Ce peuple-là, ses papas, ses mamans, qui n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Ses papas et ses mamans qui, aujourd'hui, parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, on fait l'enseignement en ligne. On ne peut pas le faire ici à cause de la corruption. L'argent des Congolaises et des Congolais a été transféré chez des particuliers voleurs. Merci. Vous dites que je suis un homme de principe. Merci, maman. Merci, madame. Je suis un homme de valeur. Et j'ai le droit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste. Donc, je suis politique. Je dois veiller à la santé de mes concitoyens. Ce que je dois faire, je demande conseil aux médecins. Je demande aux médecins. Les techniciens doivent me dire, et c'est ce que je fais, je reste. Je me documente, je suis tous les commentaires, y compris le complotiste. Je suis tout, mais cette affaire-là, cette question, est réservée aux spécialistes. Quand les spécialistes vont venir
et je vais balancer. Et ils vont me dire, voilà ce qu'il faut. Comme les autres, comme le président Biden a fait aux États-Unis, il a demandé aux spécialistes. Comme le président Macky Sall est en train de faire au Sénégal. Comme le président Nana, Bado. Donc, c'est une question, il faut réserver ça d'abord aux spécialistes. Merci. Président. Je termine avec les femmes, président. Les dames, pardon, et puis madame. Voilà, Jean-Yves Gombe, Claire Télévision. Madame de Koutouya Bakassi, notamment ma Italie, au-dessus de la Constitution. À chaque fois, la Constitution vous a révélé, et vous allez vous créer la jurisprudence au lobby, au monstre, Bakassi, vous voyez, vous télé, mais là, vous peut-être les a divisés. Mais qu'est-ce que faites-vous? Parce que dénoncer, c'est autre chose, agir, vous allez le monstre. Parce que jusque-là, tout le monde a fait sa action, par rapport à la violation de la Constitution. Maman Ozana, Motuna Ozana Yamotuya, Piozana Nzela. Est-ce que Makambo y a violation de la Constitution? Oui, il y a un bon élo. Oui, il y a un élo dans le sens de la vie. Et une bonne année. Quand tu es là, Kabila ou Anadikambo, il y a violation de la Constitution. Tango Kabila a yéawa à l'objet. En 2015, que avant qu'il n'y ait élection, et l'on a dit qu'il faut faire un recensement. Pour cela, vous avez dit vous voyez bien, nous sommes la semaine, on peut bien dire la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Macambo, tout ça, la vie. Pour lui, à Koumikate, à Koumikate. À Tindi Kengou, à Kennedy Nassina, à l'Ubena Lingala. Que vous savez, les sociétés, l'essencement et l'alité, pour qu'on ait l'élection, dès que la constitution est lobby. Mais, Magambo n'a pas ça, Nicolas Nyonso, Kotambola, en octobre, on a dit, on a dit, en octobre, Kotambola, il a balabala la terre. Nyonso, on a pas la vie. La Zwinze là, pendant qu'on a balabala la terre, on a gokende na Mbandaka, on a gokende na Boende, on a gokende na Lisala. Dans la baie Mbala Oyo, na Kula, na Lia, Noël, na Bandekwa Lisala. Na Liki na Mbandaka na Pesiba Mombote to Sololi, na Ke na Boende to Sololi, et puis le 24, Kayuana Makolo na Lisala, to Vaina na Bandeko, Mikolomi, Bale Misato, na Zongi Kisasa. Batoubakei, basali nyons. Quand on bande de bakei, et tu gagnes micromine, pongana komakuna, oh, ouvre-feu. Oh, pas de réunion de plus de 10 personnes. Pas de réunion de 10 personnes. Mais à Omoni, inauguration, 1000 personnes. Réunion pour l'Oya, 700 personnes. Et Nini, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Koyo. Bazali Kokanga Makambo ya couvre-feu. Makambo ya Covid, Bazako profiter pour limiter tout ça la manifestation. Mais on a mis un peuple congolais. Peuple congolais, Kofanda Simate. Tout ce qui est de malembe, malembe, toko talaba. Yango na yego lova wa lelo, pour na kotia miso na violation de la Constitution. Tango, M. Tshisekedi, a nommé Batou la Cour constitutionnelle, a violé la Constitution. Dans le bac, il y a un côté. Pour le bien, il faut le pourquoi à l'obé. Est-ce que Makambo, Batouyo, Bassina Kimikanda, pour y être abîmaté? Pour, Bango Bassali, il est soumou. Non, pas de soumou. Il est soumou, Lissango. Hein? Il est soumou, Lissango. Il est soumou. Il est peiné de nos boucas, mon père, lui, qu'on dit. Batouana, oui, ma maman, les lois et tout ça n'a pas de constitutionnalité. Parce que Kourouana, les alliés illégitimes, illégales, traitant au nion son dégoling. Yangouan, nous avons vu que l'ambassadeur de Mawa. Parce que, par exemple, traiter dans l'institution illégitime. Bango, baye biango. Baye biango. Monsieur Trump, la cour constitutionnelle, il y a pour Babenga constitutionnelle, pour la cour, comment dire, la cour suprême. La cour suprême, Batou Liboua,
na libo wana motoba ezali bato bazana kana yina ya parti na yina. Mais tant que vous ne pouvez pas faire non, l'élection est frauduleuse, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que parce que mboka oyo pas respecté que vous avez dit que constitution. Avez dit que vous 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 avez dit que Dengue, de mon avis, soyez Mbakawa, Fali, Kouba, Tokomi, Kote Pateba, le Colombo, et Zanga Constitution. Mais c'est vrai. Tout ça, Kote Pateba. Montre Sali, à vous qui m'ont donné conseil, Bondimi. A Sali, Bondimi. Bakayi Kuna, Balobi, que bureau d'âge, ils allaient assimiler le bureau provisoire. Bureau Wana, et Koki, Kosa Mokano, Moussouté, Kotraité, mener le sujet moussouté kakao yo yako faire voter ce bureau définitif et puis qu'on installe en passant on dit bien donc au yo nous sont allés comme ça bato yo yaba paya bazango yo kangai baye bake nous sommes dans la violation de la constitution et talibé peuple congolais. Est-ce qu'il y a eu un problème? Le bas vérité présent. De deux, présent Faïm. Est-ce que Fatia Sassali des urnes? On peut continuer quand la vérité des urnes jusqu'à quand? Parce qu'à 2023, il faut que l'élection. Mais Ngekozulu, Bemba à la ligne de Ko. Salinga il m'a fait mon côté. Tout Zalaki Nayewa, Barayasuka, Ayakiawa, Soloni, sans problème. Sans problème, tout ça, il est comme mon côté, mon tournaï. Tokutanaki, Namatanga, ya maman Bazaï, va tomber ses beauté, et Tokutani, Nam, maman Eliane, la ligne la paix, ça y est, beauté, va dire à Martin. Même quand Nani Covid, il se photo en place, Nani, dans le monde de l'Ingam. Ça va être. Et le côté, mais il faut que tournaïe, puis yo yébi, tournaïe, Nazoga Maloba, et belé, tournaïe, et logo Nini. Non, na lobi poti ngai na sala kamakambo na lobaka. Na lobaka makambo na sale naka. Et j'ai dit tendez que ma mission soit le bio, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Na vous parlez de que nous vous bongo ya mouyibi. Ok? Botuna ye, et l'on est, botuna banga. Botuni motuna ya malam. Nga na pesio et yano, et l'on mon côté. Na pesia wa ba mikolo na bengiye. Étant de monde à l'un de la téléphone. Merci. Question sur le président. Allez-y, oui. Merci. Après, le président. Je suis jusqu'à avril pour les comptes de Kinshasa Times pour la discussion. Ma question, c'est ici. Donc, je sais que janvier dernier, vous avez fait une communication pour demander à M. Gabou de tirer les conséquences. Pourtant, tous ces leaders tels que vous êtes réunis, vous revendiquez votre appartenance à l'armée. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, parce qu'ils sont partis du côté des bureaux sacrés, vous ne pouvez pas penser à une autre dénomination, une autre dynamique, et puis laisser la Mouka parce que c'est devenu une plateforme où tout le monde revendique l'appartenance. Merci, merci beaucoup. Mon frère, la Mouka a été constituée le 11 novembre 2018 à Bruxelles. La Mouka en tant que plateforme électorale. Nous sommes allés aux élections, nous avons gagné. Et nous étions à Belgique, Bruxelles. Et le 27 avril 2019, nous avons fait muter la plateforme électorale en une plateforme politique. Avec un objectif précis, disait la Charte. L'objectif fondamental est la Mouka. Nous voulons conquérir le pouvoir ensemble. Avec des objectifs précis, quatre axes. Et dans la Charte de la Mouka, parce qu'il y a une Charte, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes régis par des textes.
Et dans le texte, il est dit, si quelqu'un quitte la Mouka, il quitte la Mouka, mais il ne revendique pas le droit de quoi que ce soit. Alors pourquoi voulez-vous qu'on tue la Mouka? Je vous ai dit ici que la Mouka, c'était une propriété du peuple congolais, et c'est le peuple congolais qui a demandé la création de la Mouka.